homme armé en vaut deux. Campagne Bellecombe-Denis, le cœur que vous sauvez pourrait être le vôtre. Oui, Annie la Texane est ici. Je lui dirai. Et voilà comment j'ai décidé de vendre toutes mes bêtes, de faire mes valises pour venir ici en Californie. Excusez-moi un instant, Annie. Houston a téléphoné qu'il arrivait. Oh, merci, chérie. Je vais avertir les docteurs. Oh, j'ai réellement dévoré votre autobiographie, docteur Denis. Oh, sauver des vies humaines doit être le métier qui apporte le plus de satisfaction. C'est exact. Mais l'ultime satisfaction viendra quand ce merveilleux centre de recherche sera achevé. Merci. Oh, désolé de vous arracher à vos admiratrices, docteur, mais Houston est en route et je le connais, il court plus vite que son ombre. Donnez-moi deux secondes, Annie. Barney, vous savez quelque chose à propos de ces résultats? Non, Walter, malheureusement, laissez je Barney ne sais en rien, dehors rien de tout. Ça, Walter. Kimberley, j'ai le droit à une explication. Walter, chérie. Il est en effet... Pour le rassemblement, docteur Bellecombe, et vous, docteur Price, c'est dans le patio, par ici. Oui, Annie, nous devrons reprendre cette discussion, d'accord? Bien sûr. Je vois. Oh, vraiment désolé. Annie, voici CG, mon associé. Oh, ravi, CG, chérie. Et CG, voici la légendaire Annie la Texane, l'unique. En tous les cas, moi, je vous connais. Houston parle sans cesse de vous. C'est même le président de votre fan club. Et pourquoi ne donnes-tu pas notre contribution à Annie? Oh, merci beaucoup. Matlock, tu es un vrai chou. Oh, Matlock, jamais, jamais je n'ai vu autant de zéros. Un petit four, docteur Bellecombe. Non, merci. Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh mon Dieu! Écartez-vous tous! Laissez-lui de l'air, s'il vous plaît! Oh. Une ambulance, vite! Oh. Walter! Walter! Il s'est jeté sur ma voiture, je vous jure. Je vais appeler une ambulance. Non, non, c'est inutile. Aucun papier sur lui. Mon Dieu. Son nom est Tom Chapman. C'est un aide-soignant, infirmier. Enfin, c'était un infirmier. Il travaillait à l'hôpital quand le docteur Bellecombe l'a renvoyé pour incompétence. Oui, alors là, vous ne trouvez pas que Chapman a réagi, disons, un petit peu fort? Déjà, après son renvoi, il avait physiquement attaqué le docteur Bellecombe. Il avait même menacé de le tuer. Je n'y ai pas cru. Je n'aurais jamais pensé qu'il irait jusque-là. On pourrait peut-être rentrer maintenant. Pauvre Tom. Écoutez,
Calmez-vous, hein, ce n'était pas votre faute. Rentrez maintenant. Voici ma carte au cas où vous auriez besoin d'un témoin. Ça va mieux? N'ayez aucune inquiétude. Ah, Houston, je voulais vous dire... Laissez-moi, s'il vous plaît. CJ? Bonjour, Houston. J'accepte le jus d'orange avec plaisir, CJ, mais fais-moi grâce du bonjour habituel, ce n'est pas de saison. Toi, t'as passé la nuit à l'hôpital, hein? Alors, le docteur Belcom? Mais je crois qu'il n'a aucune chance. CJ, je suis resté debout toute la nuit, essayant de comprendre pourquoi ce Chapman avait eu l'idée de tuer Belcamp à une partie, à mon bureau, entouré de plein de monde, et surtout de gens qui le connaissaient parfaitement. Mais peut-être que ceci pourrait t'aider. Voici son portefeuille. Comment l'as-tu retrouvé? C'est le concierge qui l'a trouvé. Apparemment, Chapman l'aura perdu en s'enfuyant. Ça a été trouvé sous une chaise. Ça, c'est un concierge. Maintenant, à ton avis, comment un gars au chômage peut réussir à se faire autant d'argent? Eh oui, c'est ce que je me demande. Ça nous ramène à la première question. Pourquoi a-t-il fait cela? Il avait aussi une licence de bateau et il vivait à la marina. 1430 Dolphin Way, ponton 61. Il faut prévenir tout de suite Vince. Raconte-lui ce qu'on sait et dis-lui où il peut me trouver. À vendre. Madame Chapman. Oui, c'est moi. Mais si c'est à propos du bateau, c'est trop tard. Voudriez-vous me passer la pancarte, là, s'il vous plaît? Et... De toute façon, maintenant, Hawaï... Hawaï? Vous aviez le projet de partir à Hawaï? Tom, c'est mon... Ah, c'était mon mari. Il disait qu'on avait assez travaillé et qu'on pouvait bien prendre notre retraite. Madame Chapman... Vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle il a tué... Le docteur Belcamp. Parce que Belcamp l'avait renvoyé, je suppose. Mais dites-moi, qui êtes-vous? J'ai déjà raconté tout ce que je sais à la police. Je suis très concerné aussi par cette histoire. Vous permettez que je... Oui, oui. Vous voyez, il a été tué dans mon propre bureau. Et nous avons trouvé une très grosse somme d'argent sur votre mari. Est-ce que vous avez une idée d'où provenait cet argent? Une partie de ce qu'il avait mis de côté pour notre retraite. Une partie? Oui, Tom disait que... Il disait que la chance avait finalement tourné pour nous. Et il disait qu'il avait gagné 100 000 dollars. Que la chance avait tourné pour lui? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Oh, je ne suis pas tout à fait sûre. Croyez-vous possible qu'il ait été payé par quelqu'un pour tuer le docteur Belcamp? En effet, tout est possible, vous savez. Eh bien, Tom avait déjà tué... Enfin, je veux dire, à la guerre. Et pour cela, il avait même reçu une décoration. Essayez de réfléchir, Madame Chapman. Avez-vous une idée, enfin, d'où pourrait provenir cet argent, ou plutôt de qui? Maintenant, je me souviens. Tom a dit qu'un membre du centre de recherche où il a travaillé lui avait fait une intéressante proposition à laquelle il réfléchissait. Et il n'a jamais dit quel membre de l'équipe? Tom n'a rien dit. Alors vous voyez, monsieur, je ne peux pas vous aider. Mais par contre, vous, vous pourriez m'aider. Oui, et comment? En partant tout de suite d'ici, s'il vous plaît. Car depuis que je suis petite, j'ai toujours pensé que de pleurer devant quelqu'un, ça manquait de dignité. Bon. Possible. Le docteur Belcamp est dans un état critique. Ah, écoutez, je... Annie, je suis désolé. Je sais que le docteur Belcamp était un de vos grands amis et comme je vous connais, ce devait être un homme merveilleux. Oui. Et plus que tu ne le crois. Cet homme m'a sauvé la vie, Houston. C'est vrai? Il y a 2 ans, on me considérait comme perdue. Que voulez-vous dire, Annie? Oui, selon les médecins, j'étais condamnée. Mon cœur ne battait plus. J'étais cliniquement morte.
Et le docteur Bellcombe vous a ranimé? Oui. Grâce à l'aide d'un tout nouveau sérum qu'il a développé avec son collaborateur. Oui, mais ce n'est pas absolument exact, Annie. C'est notre équipe. Toute notre équipe qui a développé ce sérum. Je veux dire le 100A. Ce nouveau sérum qui minimise les risques de rejet d'un cœur transplanté. Oui, Annie, vous voulez me dire que vous avez eu une... Eh oui, une greffe du cœur. Et dire que tant de personnes disaient que moi, Annie, je n'avais pas de cœur. S'ils savaient que j'en avais un deuxième. Et c'est pour cette raison que vous avez fait appel à moi pour aider la Fondation, afin que le docteur Bellcombe réunisse assez d'argent pour faire ses recherches. Maintenant, c'en est fini pour Walter. À cause de cette vermine de Chapman. Annie, il y a une possibilité que Chapman ait été acheté pour tuer Bellcombe. Qui a dit cela? Et c'est moi. Alors dans ce cas, tu sais que tu as une dette envers moi, Matlock. Et c'est aujourd'hui que tu peux t'en acquitter. Je veux savoir à tout prix qui a payé pour ce crime. J'espérais que vous me le demanderiez, Annie. Excusez-nous. Bon, alors écoute, CJ, Madame Chapman m'a donné l'impression que l'un des membres de l'équipe de Bellcombe et Denis aurait payé son mari pour tuer Bellcombe. J'ai compris, je vais au bureau et je passe au peigne fin les membres de l'équipe. Oui, c'est ça, et étant donné que le tueur devait être payé la somme de 100 000 dollars... Je vérifie le compte de chacun d'eux. Exact, et tu as tout compris, et s'il y a une urgence, moi je serai en chirurgie. On demande le docteur Templeton en réanimation. Ah, bonjour Houston. Je vous écoute. Vous savez, pour le docteur Bellcombe. Oui, c'est tragique. Mais oui. Enfin, qu'est-ce qu'ils font en bas? Ça me rappelle le docteur fou du Muppet Show. Il prépare un patient qui doit subir une greffe du cœur. Ah. Ah, bah justement, je crois qu'on m'attend ailleurs. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ils ne commenceront rien sans le chirurgien et c'est moi-même. C'est une fascinante opération à voir. Certes, mais je crois que je peux encore m'en passer cette fois-ci. Vous voyez, durant ma première transplantation, après avoir retiré au patient son cœur, j'ai regardé cette poitrine ouverte sans y croire. Ah oui, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est un peu, j'imagine, comme si on avait pouvoir de vie ou de mort, un peu comme Dieu. C'est ça, non? Dites-moi, est-ce que votre partenaire était, disons, difficile à vivre dans le travail? J'avoue que depuis peu de temps, eh bien, il avait l'air préoccupé. Nous nous accrochions souvent sur des détails. Et permettez-moi de vous poser encore une question. Que croyez-vous qu'il va se passer au centre de recherche maintenant qu'il est mort? Je vais continuer. Walter l'aurait voulu ainsi. J'imagine que Walter aurait aussi voulu connaître l'identité de l'homme qui a engagé Chapman pour le tuer. Que voulez-vous dire par engagé? Ah ben, je veux parler des 100 000 dollars qui ont été payés à Chapman par vous ou n'importe quel autre membre de l'équipe, sabotant ma soirée de charité pour l'hôpital en tuant le docteur Bellcombe. Mais où avez-vous été chercher une aussi stupide théorie que celle-là? C'est celle de la veuve de Chapman, monsieur. C'est trop ridicule! Nous ne sommes plus que trois dans l'équipe. Ça réduit nettement les suspects, qu'en pensez-vous? Je vais vous donner un bon conseil, cow-boy. Vous et vos investigations ne faites que perturber le centre, et notre travail est de très loin plus important que votre cinéma de shérif d'opérette. Monsieur, vous pourriez nous aider? Ah, bien sûr qu'il y a des ennuis. Oui, vous. Oh. Il bouge pas? Il est toujours KO. Ce cow-boy sera aux anges quand il sortira des vapes, et spécialement quand on lui parlera de ses funérailles.
foutons le camp d'ici. Oh. Bon, faites le plein et vérifiez le niveau, s'il vous plaît. Attention, c'est parti, Houston. Notre bébé a réuni tous les renseignements sur nos suspects. Le spectacle va commencer. C'est l'associé de la victime, le docteur Owen Denis. Il est chirurgien en cardiologie. Il est plutôt du genre playboy et il adore les femmes. Oui, ça je le sais déjà. Il adore la publicité aussi. D'ailleurs, je l'ai souvent vu à la télé, dans des interviews et dans les journaux branchés. Et dis-moi quelque chose, qu'est-ce que son partenaire pensait de son côté, m'as-tu vu? Ben, l'impression d'être celui qui fait tout le boulot pendant que l'autre récolte les honneurs. Il y avait une certaine tension entre Belcamp et Denis. Je vois, on peut imaginer que le docteur Denis ait décidé de mettre fin à leur association d'une façon expéditive, non? Ouais, c'est possible. C'est le tour de qui? Eh bien, la suivante, c'est le docteur Kimberly Price. Très jeune, très talenteuse et surtout très ambitieuse. Le docteur Belcamp l'avait remarqué quand elle était encore interne, il aimait sa façon de travailler et il l'a tout de suite prise sous son aile. Est-ce que tu penses ce que je pense? Oui, c'était le grand amour jusqu'à il y a 2 mois, jusqu'à ce qu'elle le remplace par un nouveau et fringant Roméo. Et tu veux parier qui? Oh, le docteur Owen Denis. Ben, donnez un cigare à ce cow-boy, il a gagné. Mais ce qui veut dire aussi que maintenant, elle a de grandes chances de remplacer son ex-amant à la Fondation. Exactement. Passons maintenant à Barnett Jenks. C'est l'assistant de l'équipe de recherche. Il a joué un rôle très important dans le développement du sérum le 100A. Et je sais qu'ils sont tous en train de concocter un autre sérum le 100B. Bon, et dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur ce sérum à la noix? Ben, à vrai dire, je sais seulement que ça favorisera les transplantations d'organes humains. Ouais. Est-ce que tu as autre chose sur Barnett Jenks? Mais seulement que lui et Belcamp étaient des amis de longue date et qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais tu sais, les relations les plus étroites peuvent parfois se dégrader, si tu... Oui, c'est vrai, Houston. Mais c'est Annie la Texane, elle n'a rien à voir avec nos 4 suspects. Ah, peut-être bien, mais moi j'aimerais savoir ce qui te lie à cette adorable Texane et la faveur que tu lui dois. Si tu lui dis quoi que ce soit, ma plaque, je te marque les fesses en feu. Comment allez-vous, adorable petite chose? Oh, allez, écoutez, c'est ridicule, Annie, dites-le moi, quel secret vous partagez? Pourquoi faire autant de mystères là-dessus? Alors, à votre avis, Annie, on lui dit tout? Oh, après tout, c'est pas grand-chose. Bon, allez, on enterre l'âge de guerre et puis on peut lui faire confiance. Et tu vois, CJ. Annie m'a sauvé la vie avant que je vienne au monde. Avant que tu viennes au monde? Oui, ma mère était enceinte de 8 mois quand elle a eu un accident de voiture dans un bled perdu. Annie était dans le coin et c'est elle qui m'a accouché sur place, me sauvant et ma mère aussi. Oh, mais c'est 2 fois rien. Merci, Annie. Ça, c'était pour moi. Et aussi pour tous ceux qui adorent cette espèce de grand idiot. Oh, il n'est pas si mauvais que ça. Bonjour, docteur. Je pense que nous avions rendez-vous. Mais le coup de téléphone ne parlait pas d'un match de foot? Ah, mais ça, c'était juste pour faire diversion. Je voulais vous voir avant que vous n'entriez, parce que je sais qu'à l'intérieur, vous aurez d'autres sortes de distractions. Je vois. D'accord. Comment voulez-vous procéder? Eh bien, je lance les questions et vous renvoyez au vol les réponses. Ah, ça, c'est du baseball. Non, madame, c'est du meurtre. Laissez-moi vous poser une question. Dites-moi, quel membre du groupe Belcamp-Denis a eu l'idée de payer Tom Chapman pour tuer Belcamp? Quoi? Chapman était payé? Eh oui. Où avez-vous été chercher une telle idée? De sources sûres et confidentielles, comme on dit dans les journaux. Si vous me disiez ce que vous voulez de moi... Avant tout, docteur, sachez que je suis au courant du caractère très privé de vos consultations avec le docteur Belcamp et Denis. Écoutez, cessez ce petit jeu, je vous prie, monsieur Houston. Je sais fort bien qui dans l'équipe aurait le plus à y gagner. C'est moi. Oui, je sais ça aussi. Mais écoutez, non, je suis désolé. Attendez, laissez-moi vous poser encore une question, je vous en prie, docteur. Dites-moi un peu plus sur votre fameuse formule, le 100A ou quelque chose comme ça. Le sérum dit 100A est employé préventivement en cas de rejet lors d'une grève du cœur. Une fois que les autorités l'ont approuvé, nous avons vendu le brevet à une compagnie pharmaceutique. Ah, et maintenant votre sérum, le nouveau 100B, est-ce qu'il est plus performant que l'autre? Oui. Le sérum 100B nous permet d'éviter le rejet de tout organe du corps que l'on transplante. C'est ça la différence. Ah.
Oh, c'est vraiment révolutionnaire, docteur. Et vous avez déjà l'approbation des autorités? Non, nous n'avons toujours pas reçu le brevet. Bon, je suppose que ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit approuvé. Oui, et si ça peut satisfaire votre curiosité, cela représentera des millions et des millions pour la Fondation. Ah, évidemment. Et à propos de cela, à combien estimez-vous que sera votre part maintenant que vous êtes devenue vice-présidente de la Fondation? J'ai assez joué maintenant, et vous venez de perdre. Pas si vite, tu sais, après ma sympathique balade en ambulance conduite avec tant de délicatesse et mon évasion, j'ai l'impression que le train New York-Dallas a fait l'aller-retour sur mon corps deux fois. Tu devrais peut-être voir un médecin. Hein? Non, mais raconte-moi plutôt ce que tu as déniché comme information sur les finances de nos suspects. En réalité, nos docteurs Owen Denny et Kimberly Price ne sont pas exactement ce qu'on appelle sur la paille. Tu pourrais être plus clair? Je veux dire que l'un comme l'autre pouvait se payer un tueur pour 5 000 dollars. Je vois. Et à propos du type qu'on va voir ici, combien penses-tu qu'un laborantin comme Barney puisse gagner? Ça, on peut pas dire que Barney Jenks roule sur l'or. Il a un salaire très modeste et son compte en banque est aussi plat qu'une crêpe. Que tu seras au bureau, je voudrais que tu recherches si... Si un de nos médecins aurait effectué récemment un important retrait? Eh bien, c'est ça. Le docteur Fredel est demandé au bureau du docteur Barr à l'administration. Il a dit qu'il serait là toute la journée. Ouais, c'est exact. Bonjour. Bonjour. Oh, laissez-moi vous aider. Non, je peux le faire. Merci. Bon, d'accord. Je voulais juste ranger le bureau du docteur Belcamp. Voilà. Vous permettez que je nourrisse les animaux pendant ce temps? Ah bah oui, allez-y. Monsieur Houston, je vous présente Cubby et Stubby. Enchanté. Et ici, c'est notre petit Henry. Et là... Bon, écoutez, monsieur Jenks, nous sommes tous très concernés par cette affaire. Et je voulais juste vous demander si vous aviez une idée. Pourquoi quelqu'un aurait payé Tom Chapman pour tuer le docteur Belcamp? Payer Tom? Personne n'avait à payer Tom. Si vous voulez mon opinion, je crois que c'était par rancœur et c'est tout. Il a tué Walter juste par vengeance. Oh, c'est possible. Seulement moi, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre l'a embauché pour le tuer. Oui, c'est une possibilité en effet. Mais Tom était assez furieux pour tuer tout le monde. Ça a été une chance que je sois avec Walter pour le défendre. Le jour où Tom l'a attaqué. C'était le jour où le docteur Belcamp a renvoyé Tom. Oui, c'est ça. Ah bon, alors... Non, mais attendez une minute. Et si quelqu'un a engagé Tom, je crains que vous ne trouviez jamais qui c'était. Et pourquoi ça? Un pressentiment. Auriez-vous un indice quelconque qui pourrait nous aider à y voir clair dans cette affaire? Non, juste des pressentiments. Très bien, alors partagez-les donc avec nous. Je préfère pas. Pourquoi? Excusez-moi. Oui. Mais c'est comme si je désignais quelqu'un du doigt. Comme si vous désigniez qui? Le docteur Denny. Pourquoi le docteur Denis? Il a essayé de briser l'amitié entre moi et Walter. Le docteur Belcamp. Ah oui, c'est vrai, parce que vous et le docteur Belcamp étiez des amis depuis très longtemps. Oui, j'étais ici avant le docteur Denis. C'était de la jalousie. Il était jaloux de mon amitié avec Walter. Il s'agissait d'un mélange de castes incompatibles. Je saisis mal ce que vous voulez dire par là. Eh bien, vous voyez, je ne suis qu'un laborantin qui a pour ami un grand médecin. Mais c'est pas un motif suffisant pour tuer. Non, madame, je n'ai pas dit ça. Alors, monsieur Jenks, pourriez-vous me dire, à votre avis, quel serait un bon motif pour un meurtre? Je ne sais pas, monsieur Houston. C'est vous, le détective. Mais je vais vous dire une bonne chose. Le docteur Denis est maintenant le numéro 1. Excusez-moi. Bien sûr. Excusez-moi. CJ, sois assez gentil de rassembler la liste des noms de ceux qui auraient fait leurs études avec le docteur Belcamp à l'université de médecine. Bien. D'accord, mais pourquoi? Comme dirait Barney, juste un pressentiment. Comme il est mignon. Ah ouais. CJ, c'est l'homme qui a tué Chapman. Appelle Novelli. Écoutez, j'achète votre appareil, vous voulez bien? Tenez, écoutez, prenez tout ça, hein? Merci, gracias.
Oh, excusez-moi, maintenant, vous voudriez m'acheter des films aussi? C'est pas vrai. Oui, sa mâchoire était plus carrée. Un peu entre celle de John Wayne et celle de Clint Eastwood. Ah, puis ils ont le même regard, tu vois. Un peu comme dans Le train sifflera trois fois lorsque Gary Cooper fait ses adieux à Grace Kelly. Tu te rappelles? Enfin, vous me suivez? Arrête, Houston, on se croirait à la cinémathèque. Et Vince, je plaisante pas, je t'assure, hein. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est eux, Vince. C'est bien ces deux clones. Tu les connais? Non. Mais je vais faire partir un avis de recherche avec ce portrait. Et Vince, peut-être que tu devrais faire distribuer deux mandats. Ces deux dingues veulent me tuer et j'ignore pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi et tu veux que je te dise pourquoi? Oui, je veux savoir pourquoi. Parce que tu fouines partout et que tu n'arrêtes pas de poser des questions. Tu te mêles des affaires de meurtriers qui n'aiment pas ça du tout. Capiche? Oui, Vince, mais j'y suis obligé. Parce que j'ai promis à Annie la Texane et elle... C'est ça, continue et fais-moi savoir à quel endroit je pourrais la joindre pour qu'Annie vienne à ton enterrement. Bonjour, CG. Bonjour, Vince. Tu m'avais demandé d'enquêter sur l'état des comptes de nos suspects. Eh bien, je viens de découvrir que Owen Denis a fait 3 retraits durant les 2 derniers mois et que le montant s'élève en tout à 100 000 $. Soit exactement ce que Chapman a été payé pour tuer Belcamp. Alors exact. Maintenant, je crois que le moment est venu de rendre une autre visite à notre bon docteur Owen Denis. Le docteur Vincent est prié d'appeler son bureau. Le docteur Vincent est prié d'appeler son bureau. J'ai fini de charcuter pour aujourd'hui, Houston. Vous pouvez entrer sans crainte. C'était encore une de vos greffes du cœur? Oui. Seulement 20 ans et un cas de maladie cardiaque congénitale. Avant, il ne lui restait que 2 mois à vivre et maintenant, il nous enterrera tous. Ça fait une drôle d'impression. J'ai une réelle admiration pour votre habileté et tout ce que vous faites. Ce serait dommage si vous étiez obligé d'arrêter tout à coup. Et pourquoi voulez-vous que je m'arrête? Oh, vous savez, on ne permet pas aux détenus d'opérer en prison. En prison? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Oh, je parle simplement de meurtre. Voyez-vous, Chapman a été payé la somme de 100 000 $ pour tuer Belcamp, et vous savez quoi? Mais c'est très exactement la somme que vous avez retirée de votre banque pendant les 2 derniers mois. N'allez pas trop loin, Houston. Je suis un homme riche et je fais des investissements. Mais il me semble que de gros investissements ne se traitent pas cash, docteur. C'est une façon de payer moins d'impôts, et voilà. Et de plus, ce que je fais de mon argent ne vous regarde en rien. Mais de trouver qui a tué votre associé, si. C'est l'affaire de la police. Houston, arrêtez de coller à mes semelles. Ou mon avocat se verra obligé de parler de vous à un juge éminent. Et un juge qui a précisément une fille qui doit bientôt subir une greffe. Monsieur Houston, on vous demande au téléphone. Veuillez décrocher l'appareil blanc. Merci. Houston. Un moment, s'il vous plaît. Allô, Houston, j'ai trouvé la liste de ceux qui étaient à l'école avec Belcamp. De quel nom est-ce que tu aurais besoin? Barney Jenks. Le laborantin? Oui. Mais il n'est pas docteur, que je sache. Mais je n'en suis pas certain, CJ, mais vois-tu, quand j'ai regardé sur la grande photo de classe de la promotion de Belcamp, je crois que j'ai vu Barney se tenant tout près de lui et alors bien en vue. Il n'y a pas de Jenks sur la liste, hein? Ah, tu vois, il est peut-être temps que je fasse une petite opération, moi aussi. Est-ce que tu as son adresse, CJ? C'est noté. C'est comme si j'y étais. Barney Jenks habitait un appartement tout près de la plage. De le trouver ne fut pas très difficile pour Houston, mais pour s'y introduire, c'était une autre paire de manches. Bonjour. Il fait beau aujourd'hui, hein? Attendez, j'ai une idée. Vous avez l'air de quelqu'un qui voudrait prendre un très long déjeuner dans un des meilleurs restaurants de la ville, non? Et peut-être un cocktail ou deux pour commencer, et puis un repas aux chandelles, hein? Alors, joli programme, non? Vous n'avez pas l'air d'un dératiseur. C'est vrai, oui. Mais c'est pour ça que je suis le meilleur des meilleurs. Et oui, les bêtes ne me reconnaissent pas, alors forcément, elles ne se méfient pas de moi. Oui, comme ça. J'ai même pas besoin de me cacher pour les approcher, vous comprenez? Oui. Oh, je l'ai eu, Mais l'appartement du docteur Jenks se situe par ici. Docteur? Mais comme le gérant n'a pas averti, je dois rester ici pendant que vous faites votre travail. Oh, madame, franchement, je ne demande que ça, parce qu'on se sent bien seul toute la journée avec des bêtes. Monsieur Jenks est médecin, je n'étais pas au courant. Oh, vous n'avez qu'à regarder ce mur. Oui, il a plus de diplômes que Einstein. Eh oui, c'est vrai. Ah ben, c'est pour ça qu'il a su.
Et qu'il a su quoi? Ben, que son appartement était plein de rats porteurs de la rage. Oh, des rats? Oh, avec la rage? Écoutez, vous pourrez m'aider si une de ces petites bêtes avec leur bouche pleine d'écume et les petites dents pointues arrivait à m'échapper. Alors vous essayez de la coincer dans un coin puis vous criez. Écoutez, travaillez bien et moi je vais retourner à mon appartement. Vous n'aurez qu'à m'appeler quand vous aurez fini, d'accord? Au revoir. Au revoir. La visite, Annie. C'est toujours un plaisir, Matlock. Je voulais te voir de toute façon. J'ai l'impression que tu es en train d'embêter certaines personnes ici. Et moi, j'ai l'impression que vous avez parlé avec le docteur Denis. Oui, il était plus enragé qu'un taureau au rodéo. Il veut que je te demande d'abandonner. Ah, bah, c'est trop tard pour ça, Annie. Je pense avoir découvert la raison pour laquelle Belcamp a été tué. Qu'est-ce que c'est? Cette lettre est une vraie bombe, Annie. Elle vient du gouvernement à l'intention du docteur Belcamp, établissant très clairement que votre nouveau sérum, le 100B, n'a aucune valeur. Il est totalement inutilisable. Où as-tu trouvé cette lettre? Chez Barnet, dans son appartement. Je l'ai trouvée parmi plein d'autres choses. Matlock, c'est impossible. Ce sérum est très efficace. L'équipe de recherche a fait tous les tests possibles. De plus, Walter m'a dit qu'il était absolument parfait. Et je le crois aussi, Matt. Très bien, Annie. Mais j'aimerais savoir pourquoi Barnet détient une lettre adressée au docteur Belcamp. Oh, ça c'est facile. C'est lui qui fait le tri de tout le courrier reçu par le centre. Donc il y aurait une possibilité que Belcamp n'ait jamais vu cette lettre. Ça, c'est presque sûr. S'il l'avait reçue, il m'en aurait sûrement parlé. Mais Annie, il me vient une idée. Alors ne reste pas là, dans ce cas. Allez, bouge tes fesses, va, t'as du boulot. Oui, madame. Le docteur Denis, s'il vous plaît. C'est urgent. Allô? Owen? Oui. C'est Annie. Nous avons des gros ennuis. Le docteur Redfield est demandé par le docteur Marley à l'administration. Le docteur Redfield est demandé par le docteur Marley à l'administration. Barnet, vous ne savez pas où je pourrais trouver le docteur Price et le docteur Denis? Je suppose qu'ils sont dans le bureau de Denis, la dernière porte à droite. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est bien, Oscar. Très bien. Vous amène Monsieur Abrams, il est prêt pour la greffe du cœur. Ah oui, Monsieur Abrams est attendu à la salle d'opération. L'infirmière Webster est demandée par le docteur Denver au bloc opératoire. L'infirmière Webster est demandée par le docteur Denver au bloc opératoire.
panique. Reste calme, Houston. C'est juste un petit malentendu et il faut simplement leur dire... Juste dire, hey, les gars, je me porte bien. Ou alors, je m'appelle Matthew Stone et vous vous apprêtez à faire une très très grosse erreur. Allez-y, Michel. Vous pouvez l'endormir complètement. Bien sûr, c'est mal barré. Mais ne panique pas. Essaie de leur parler. Allez, il n'y a qu'à te servir de ta gorge, de tes lèvres, de ta langue. Allez, vas-y. Ah non, Nous sommes prêts, docteur Denis. Tout va bien? On peut y aller, docteur. Il est à vous. Est-ce que la bourse était en hausse ce matin? Allez, Matlock, comment tu te sens maintenant? Plus lessivé qu'un torchon qui sortirait d'une machine à laver. Je vous dois la vie une fois de plus. Oh. Je suis désolé, Houston. J'ignorais que c'était vous. Je n'ai pas regardé votre visage. Tu sais, j'avais téléphoné à Owen. Et puis, je suis venu ici pour lui montrer la lettre du gouvernement. Je n'avais jamais vu cette lettre jusqu'à aujourd'hui. C'est impossible, voyons. Je vous affirme que notre sérum est efficace. Vous devez bien avoir des copies des résultats des tests ici, quelque part. Où les gardez-vous? Chez Barnett, dans son labo. Vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Bien sûr. Oh. Oh, si tu te sens groggy, appuie-toi sur moi. Non, non, je suis en pleine forme. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Merci, CJ. Je voudrais que tu téléphones à Vince, qu'il soit prêt à intervenir. On ne sait jamais. Mais ces conclusions sont différentes. Je ne comprends pas. À moi, si, quelqu'un les a changés. Mais qui? Le docteur Barney Jenks. Docteur? Mais Barney n'est pas docteur. Bah, ce qu'il est et ce qu'il pense être sont deux choses différentes. Tu veux traduire ça, s'il te plaît, et en texan? Non, je suis vraiment désolé, Annie. Je veux dire que l'appartement de Barney peut être une véritable faculté de médecine. Les murs sont couverts de diplômes, tous faux, avec des fausses signatures. Mais pourquoi? Eh bien, il semble que Barney était presque médecin. Il était à l'école avec Walter Belcamp. Le seul problème était que Belcamp a pu finir, mais pas Barney. Il fut renvoyé et mis en prison 3 semaines après que la photo de classe ait été prise et 1 semaine avant la remise des diplômes. Pourquoi? Et pourquoi Walter l'aurait employé pour un travail si délicat? Parce que Walter avait de la pitié pour moi. Walter était mon meilleur ami. Nous étions à la même école, mais nous étions de 2 mondes différents. Ses parents étaient riches et pas les miens. Je volais de la drogue au dispensaire de l'école pour payer mes études. Et un jour, j'ai été arrêté. Et il vous a engagé à votre sortie de prison? Oui, on m'a embauché comme simple laborantin. Et j'ai travaillé plus à perfectionner ces sérums qu'aucun de vous tous ici. Mais vous avez récolté tous les honneurs et tout l'argent pour le travail. Barney, on a mis tout l'argent gagné par le sérum 100A pour subventionner la fondation. Peut-être, Annie, mais... pour l'honneur d'avoir développé ces 2 sérums, moi j'ai été écarté. C'est pourquoi vous avez décidé de tirer profit du nouveau sérum, le 100B. En le vendant à votre nom, à une société pharmaceutique. Et puis, vous avez envoyé des faux résultats au gouvernement, avec les noms des docteurs Belcamp, Price et Denis. C'est ça, Barney? Comment l'avez-vous su? C'est très très simple. Notre ami ici a la très mauvaise habitude de laisser traîner des papiers délicats dans son appartement. 500 000 $, Barney. Pas cher pour ce sérum.
Et en plus, il fallait payer Chapman et vos deux clowns aussi. Barney, avoir fait tuer Walter qui était ton meilleur ami. Oui, c'était mon meilleur ami, Annie. Mais il voulait me dénoncer. D'accord, et maintenant, pas de panique. Il y a un camion qui nous attend. On va faire un petit voyage. Oh, sans problème, les gars, j'ai déjà vu de quoi vous étiez capables. T'inquiète pas, McCluck. Je les surveille. Va. Allez, rattrape Barney. Les brutalise pas trop. Houston, mais qu'est-ce qui se passe? Darwin, le docteur ne consulte plus. Vous savez, Vince m'a dit que nulle part on ne pourrait manger un meilleur chili. Tu as l'air heureux, Houston. Oh, tel que tu me vois, je baigne dans la joie, Vince. Laisse-moi t'expliquer, Vince. Aujourd'hui, c'est la fin de la campagne pour la Fondation. Ça veut dire que Houston n'est plus obligé de faire des speeches. Oui, et en plus, terminer les banquets, parce que j'en ai assez de ces petits dîners, de ces petites conversations, les petits pois et les petits fours. Et à propos de nourriture, où est donc Mama? Elle va venir tout de suite. Elle a une surprise pour vous. Hello, Kamai. On dirait Calamity Jane. Oh, Mama, t'es super! Vous avez le même tailleur ou quoi? Est-ce qu'elle n'est pas superbe? Mama, vous êtes la plus jolie texane italienne que j'ai jamais vue de ma vie. Hey, vous avez encore rien vu, cowboy. Et maintenant, amenez le chef-d'œuvre. Et pronto! Una pizza pour Annie la Texane. Oh! Waouh! C'est le Texas! Oui, le jambon, c'est Dallas. Les olives, c'est Lubbock. Les poivrons, c'est Galveston. Et le champignon, c'est San Antonio. C'était triste, fort à la mort. Mais maman, où est Houston? La boulette, bien sûr. Une boulette de viande? Moi, si. La boulette de viande, c'est toujours le meilleur, Houston.